Amekada Sam. Ok, parlons de la vice Massa. La vice Massa, c'est quoi la vice Massa? C'est quoi la vice Massa? Pour tout dire, c'est une philosophie. Massa, tout qu'on fait, c'est du hamburger ou c'est quoi? Tu as un peu raconté l'histoire. Raconte-moi l'histoire. Pas l'inquiète. J'explique un peu. Explique-moi le concept Massa. Voilà. Ouais. Déjà, je vais te raconter un peu l'histoire. Raconte-moi l'histoire. Reste rapide. Ok. J'ai un ami, le Nicromi Romeo. Ok. On a grandi ensemble. Nicro? L'unique Romy Roméo. L'unique Romy Roméo. Bah, tout pour okay. la femme. Ok, ok. Donc, on a grandi ensemble, c'est mon voisin. Ok. Si tu veux, on était genre vraiment dans une galère. Quoi. Ouais, genre, la galère, ouais, bien sûr. Ouais. La galère, tu vois, non et, la vie, c'est Massa. Ouais, et un jour. Ouais. Et un jour est venu, genre, Ndinyama Sono, quoi, tu vois. Oh. Et c'est de là que l'idée est venue. La vie, c'est Massa. Oh, Ndinyama Sono, Agbar Barno, quoi. Voilà. Nkunu Gonda, Sugnisinda, quoi. En fait, c'est ça, en fait. Okay. La vie, elle est imprévisible. Tu sais jamais de quoi il en est, quoi, tu okay. vois. Ok, ok. Aujourd'hui, t'es bien, demain, tu peux être mal. Aujourd'hui, t'es mal, demain, tu peux être bien. C'est ça le concept, la vie, c'est Massa. Voilà. Donc, c'était devenu le mot de code entre lui et moi. Ok. La vie, c'est quoi? La vie, c'est Massa. Tu vois, Agbar Barno, en fait. Voilà. Donc, du coup, c'est ça. Voilà. Okay. Donc, Ndinyama Sono Agbar Barno, c'est de là qu'est venu le concept. La vie, c'est Massa. Rien n'est. Avant la série, hein? Ouais, bien sûr. Avant la série. Je te parle de 2008, 2009, 2010. Super. Ouais. Et aujourd'hui, on sait que tu brilles au sein, donc, bien évidemment, de cette série. Ça raconte. Mmh. Ouais. La vie, c'est Massa. Tu as une fois raconté aussi que Massa, c'est quoi? C'est pancake. Ouais, en fait, j'ai voulu vraiment donner de la valeur à nos trucs culinaires. Ok. Kalda Sam et La vie, c'est Massa et tout ce qui suit. Aujourd'hui, moi. Je vois des Ivoiriens, j'ai plein d'amis Ivoiriens, cinéastes et tout, acteurs et tout. Ça me fait mal quand je vois les Nigériens essayer d'imiter les Ivoiriens avec leurs mots, leurs jeux de mots. Toi, tu as préféré, n'est-ce pas, rester authentique. Authentique et créer notre propre truc à nous, tout le monde va dire. C'est ce qui nous appartient, ouais. Ouais, oh. C'est à nous, quoi, Kada Sam. Aujourd'hui, des Blancs me demandent, c'est quoi Kada Sam? J'ai dit, ouais, ça c'est bon, ça prend. Viens, je vais t'expliquer, c'est quoi Kada Sam. Tu vois un peu. Et ils me demandent, c'est quoi la vie, c'est Massa? Je leur explique, tu vois un peu, je leur dis. Il y a aussi une bouffe derrière tout ça et c'est le Massa quoi. Ok, et Massa c'est? C'est du pancake. Pancake. Et c'est ça avec du miel, tu vas kiffer. Et en dehors de la vie c'est Massa, tu as aussi un autre concept. Hein. Je ne sais pas si c'est hamburger ou je ne sais pas, tu m'as une fois expliqué un peu Bourne Tchétchena, comment est-ce que. Ouais, le kenduit quoi. Le kenduit. Ouais, ah, c'est kenduit. Ouais, c'est du kenduit quoi. C'est du bourre et puis du Tchétchena quoi. Et les gens ils ont essayé ça. Ok.